Nous avons commencé sur fonds propres il y a quelques années déjà, avant le projet EPN, c'était notre cyberespace, et nous avons commencé surtout avec des groupes du troisième âge. Et donc lorsque le projet est sorti au niveau de la région wallonne, on s'est tout de suite inscrit et on a rempli un dossier pour justement pouvoir élargir notre public, élargir les formations, et ce projet a été extraordinaire.